finalement, qui c'est qu'il a dans le cul? C'est nous. C'est feu qu'on a cul. Et puis alors, c'est terminé, les affaires à scandale. Maintenant, il y a des affaires, il n'y a plus de scandale. Vous voyez? L'affaire Boulin, l'affaire Markovic, l'affaire du canard, l'affaire des diamants, l'affaire des avions nifleurs, tout ça. Puis ça, faut même pas essayer d'en parler, hein. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de vin. Alors, y en a qui ont leur fait des procès, vous, oui, ah bon. Et alors, le procès, comment s'est passé? Oh, ben, vous savez, gentiment, gentiment. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi, et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Et puis, les gros bonnets, on peut pas les attraper, hein. C'est toujours la même chose, hein. Ouais, il y en a des biens dans une politique. Il y a du beau, il y a du bon, mais il y a du bonnet, hein. Il y a surtout du bonnet, hein. On n'est pas assez nombreux. Voilà, le truc, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Moi, je vais vous dire, je connais des chômeurs, ils ont tellement honte, ils votent communistes pour se faire passer pour des travailleurs. Attention, moi, je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation, et moi, je cherche du travail. Et j'en trouve pas. Et puis si j'en trouve, je lui dis pas. Et dès que je reçois la location, tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur. Finalement, qui c'est qu'il a dans le cul? C'est nous. C'est feu qu'on a cul.